Salut Clément, comment tu vas? Salut, ben ça va super et toi? Ça va bien, merci. Alors là, j'aimerais un peu parler de la préparation qu'il y a eu parce qu'on a vu que sur les réseaux, notamment YouTube, où tu es vraiment très suivi, tu as une salle avec de très bonnes infrastructures. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la préparation d'Abdoul? Sur combien de temps tu l'as accompagné durant son training camp et comment est-ce que ça s'est déroulé? Avec Abdoul, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. On s'est mis ensemble au moment où il a perdu contre Jara. Il voulait arrêter le MMA. Et à partir de là, on a établi une programmation à court, moyen et long terme. Et là, quand j'ai vu l'annonce du coup sur FC Fight Pass qu'il affrontait Karl Amoussou, j'ai fait une analyse vidéo de Karl. Ça m'a pris à peu près un après-midi. Et parallèlement, j'avais fait l'analyse de Pena aussi pour Taylor. Et à ce moment-là, j'ai établi une programmation dès le lendemain, en fait, avec entre 2 et 3 entraînements par jour pour essayer de pallier au niveau de Karl. On voit que toi, c'est assez particulier parce que tu as aussi cette approche d'analyste avec tes combattants et les combattants que tu coaches. Et ça te permet d'avoir une autre dimension, notamment dans l'approche du combat. Est-ce que tu as pu, on va dire, analyser, comment est-ce que tu as pu analyser Karl Amoussou? Est-ce que tu as vu des failles à exploiter dans son game plan malgré le fait que ça fait un certain moment qu'il n'est pas combattu? Alors, Karl, je le connais depuis des années, hein, donc je connais ses qualités. C'est quelqu'un de très explosif, c'est un redoutable striker. Il est même en lutte, il ne faut pas le sous-estimer, au sol aussi, il est opportuniste. Donc en fait, il a tellement des gros points forts que ce n'était pas très difficile à analyser parce qu'ils ressortent inévitablement dans ses combats. Et à partir de là, en fait, ses points forts sont un peu la croisée des points forts d'Abdoul. Donc c'était assez facile pour nous d'établir un game plan. On savait ce qu'on voulait, on sait ce qu'il veut lui à peu près. Donc pour nous, le but, c'est vraiment d'essayer de l'amener dans notre univers à nous et qu'il ne puisse pas, lui, par contre, nous conserver dans le sien. On a vu Abdoul, la première fois que j'ai interviewé ça quelques années, il y a vraiment un avant-après Clément Marcou. Au niveau physique, il y a eu une explosion. Alors c'est flagrant, c'est même effrayant. On se demande ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses que c'est dû à sa génétique potentiellement, à son éthique de travail? Qu'est-ce qui a vraiment primé dans cette explosion physique lorsqu'il est passé entre tes mains? Alors déjà, premièrement, son implication, c'est que il a que le lazy comme nom, hein. Parce qu'il n'est pas du tout fainéant, il s'entraîne énormément, il a minimum 2 entraînements par jour. Ensuite, il a quand même des qualités athlétiques qui sont hors du commun, on ne se rend pas forcément compte. Hein. Il est d'une agilité, d'une puissance comme j'ai rarement vu. Et après, derrière, eh bien, quand tu mets une méthodologie d'entraînement en respectant ses leviers biomécaniques, eh bien, ça donne ce résultat-là. Il est impliqué, comme je dis, c'est la prévention et l'implication qui donnent l'optimisation. Parfait. Alors, je vais conclure là-dessus. Est-ce que tu aurais un petit pronostic? Je sais que c'est compliqué, mais au moins un objectif, essayer de viser la finition ou potentiellement, vous êtes prêt pour les 5 rounds, une guerre. On aimerait que Abdoul puisse du coup essayer de le soumettre le plus rapidement possible. Après, donner un prono, c'est assez compliqué, mais on va dire une soumission. On va donner une soumission, j'espère une soumission dans les 3 premiers rounds. Ouais, un dernier mot pour les fans. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, même si t'es quand même déjà pas mal connu? Et sur YouTube à Clément Marcou, Instagram Clément Marcou et après bon, sur TikTok, voilà. C'est toujours mon nom et mon prénom. Merci beaucoup Clément. Merci.